Yahoo mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec une vidéo qui aurait pu sortir quasiment il y a un mois entier. Mais au départ je voulais absolument garder l'ouverture pour être près de la date du Papa Noël en gros, parce que je l'ai reçu en tant que cadeau de Noël et je l'ai reçu un petit peu avant. Donc j'ai reçu de la part, on va dire de l'amour de ma vie, hein, professeur QWERTY, l'album donc des Super M avec mon numéro 1 dans ce groupe. Voilà. En gros, pour ceux qui savent lire les noms, voilà, c'est, il est là son nom à lui. Comme ça, je vais éviter de le prononcer et de me faire encore engueuler. Voilà. Donc, tout simplement, professeur QWERTY, on s'offre très régulièrement des cadeaux. En fait, je suis en 9 mois, en tout cas sûr, comme tout le monde. Saint-Valentin. Anniversaire, anniversaire d'amitié, surtout avec elle, Noël, et des fois des petits bonus, genre un cadeau pour sa rentrée scolaire parce qu'elle avait cartonné, un cadeau plutôt pour sa fin d'examen parce que je sais qu'elle a travaillé très très dur au niveau de ses examens pour passer dans le niveau supérieur, et je lui ai aussi offert un cadeau pour sa rentrée scolaire, voilà, pour fêter sa rentrée, parce qu'elle est vraiment, là, je suis juste fière d'elle en fait au niveau de sa réussite scolaire, je suis juste fière d'elle en tant qu'amie, mais voilà, et puis c'est l'amour de ma vie parce que c'est ma meilleure amie après Ina en fait, voilà, très clairement. Donc, je remonte l'image, voilà, elle est juste sublime, et au moins là tu la vois sans le reflet avec tout l'arrière et tout. Donc là je pense que c'est le poster du coup que m'avait envoyé, c'est ça, c'est le poster que m'avait envoyé donc mon paradis livresque. Faut que je vois avec elle d'ailleurs si elle veut le récupérer parce que du coup moi j'ai le mien. Est-ce qu'elle veut le récupérer ou est-ce que ça gêne pas que je l'ai deux fois du coup. Voilà. Pardon. Il y a les... voilà. Tac, c'est une image qu'il y a sur Instagram d'ailleurs par exemple ou ailleurs. On voit tous les autres en fait en flou et juste un à chaque fois au milieu. On a après, je vais juste l'ouvrir comme ça, après on fera en face table, ne t'inquiète pas. Ah oui d'accord, ça s'enlève. C'est une jaquette un peu comme les mangas. Et après tu as le logo, moi ce qui est un petit peu dommage, il a pris un petit pet. Tu as le logo, tu vois là il y a le pet, mais c'est pas très grave. Tu as le logo et derrière tu as le nom du chanteur. Voilà. Donc t'as ça, t'as le CD mis comme ça, et après du coup tu as la sorte d'album photo, etc. Et en petite carte, pardon mon amour, du coup. S'il faut savoir que c'est, ça c'est Kai, et c'est le préféré donc de... C'est quoi qu'il y a dehors? Je crois qu'on est en train, je sais pas si t'entendras en fond, mais on est en train de se taper un déluge là. Il y a deux secondes, il faisait beau. Donc je vais te laisser avec les images, mais avant, n'oublie surtout pas que si la vidéo t'a plu, de la liker, la commenter, pourquoi pas la partager. Pense à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir et tu permettrais de rentrer dans la Pancha Family. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve sur fin février, voire début mars, pour une nouvelle vidéo 100% K-pop. Et de toute façon, je pense que je vais aussi pas tarder à acheter un autre album. Voilà. Et n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos pour m'en trouver avec lien de tous les réseaux sociaux. Sur ce, ciao. Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive.